Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Devinez avec qui? Fifi, comme d'habitude. Mon petit pot de colle. Faites pas attention à ma tête. Je viens de passer l'aspirateur dans l'escalier, je suis morte. Oui, il y en a qui vont dire juste à passer l'aspirateur, t'es morte. Bah oui, moi je suis morte, rien qu'à passer l'aspirateur. J'ai voulu aider Chouchou. Faire un petit peu dans son ménage, mais moi ça, juste ça me suffit. Je peux plus. Oui, mais c'est pas ma faute, hein. C'est pas ma faute. Je demanderais pas mieux, hein, de retourner à la maison toute seule, la briquer dans tous les sens. Mais bon, je peux pas, je peux plus, hein. Voilà. Au secours, je me fais attaquer par une fifille. Alors, aujourd'hui, je vais vous la faire déjà depuis un petit moment, cette vidéo. J'ai pas eu le temps, c'est vrai, hein, je suis très prise. Vous avez vu, il y a quelques jours, enfin quelques jours, une quinzaine de jours, je crois, j'ai acheté ça. Voilà, bon, c'est déjà passé dans plusieurs vidéos, hein, dans plusieurs, sur plusieurs chaînes. Donc, vous avez déjà dû le voir passer, hein. Mais moi, je ne l'ai pas encore essayé. Il est encore dans l'emballage, je ne l'ai même pas déballé. Donc, s'il manque un truc, ben, tant pis pour moi, c'est pour ma poire, parce que je ne pourrais même plus aller le rendre. c'est malin. Voilà. Donc, je vais m'en servir aujourd'hui. Comme ça, je vais voir ce que ça donne. Pour celles qui ne l'ont pas encore vu, ben, ça vous permettra de quand même de voir ce que ça donne aussi. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, bon, ça vient d'Action, bien sûr. C'est un plateau magnétique. C'est un. Oh, mais Fifi veut pas. C'est un tapis magnétique plutôt. Pour vous permettre de faire. Ben, vos cartes, tous vos petites bricoles, voilà, sans que ça bouge. Donc, faire même vos tamponnages si vous voulez, faire vos stencils, donc vos pochoirs, coller bien droit vos stickers, votre lettrage, tout ça, bon, enfin, tout ce que vous avez à faire. Donc, comme c'est aimanté, ça bougera pas normalement. Ça y est. Et pot de colle, petit pot de colle, petit pot de colle à maman. Oui. Je sais que tu aimes maman. Maman, elle t'aime aussi. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça. Il y a un tapis, il y a quatre aimants et il y a autre chose. Oui, voilà. Il y a une règle. Voilà, ici, vous voyez. Il y a une règle, un tapis, quatre aimants. Donc on va l'ouvrir et puis on va le découvrir en même temps. Pour celles qui ne connaissent pas. Vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert. Hein, il est encore emballé. Hein. Donc, je vous dis, s'il manque un truc dedans, c'est pour ma poire. Mettre le carton derrière. Ah oui, je vais souffler. Je ne vous dis pas. Pourtant, passer l'aspirateur, c'est pas fatigant. Hein, mais. Voilà. Hop, là. La petite mousse pour le ranger. Alors, j'ai la règle, j'ai les quatre aimants et j'ai le tapis. Tapis en métal. Voilà. Donc, on va retirer le petit papier. On va regarder le petit papier, qu'est-ce qu'ils nous disent. Si c'est marqué en français quelque part, oui. Alors, accessoires magnétiques facilitent considérablement l'utilisation de pochoirs sur vos supports. Voilà, eux disent que c'est surtout pour les pochoirs, mais bon, on peut le détourner pour d'autres choses. Hein, pour quand vous faites vos cartes, je vous dis, quand vous voulez que ce soit bien droit pour mettre des choses. Placez le support souhaité, papier, carton sur lequel l'encre ou la pâte de texture doit être appliquée sur l'accessoire pour pochoir. Placez le pochoir. Nanana. Oui, bon, tout ça, on sait.
Alors, ils nous disent bien de retirer les aimants, puis le pochoir pour récupérer, parce que notre travail, hein. On ne savait pas. Lorsque vous utilisez plusieurs pochoirs, assurez-vous que le support ne se déplace pas. Oui, puisque lui ne tient plus si on enlève le pochoir. Bon, ça, hop, on sait. Il n'y a rien de compliqué. Donc, je vous montre. Donc, on a la règle. Hop, qui tient bien. Voilà, qui est aimantée, vous voyez, derrière. Donc, c'est une règle en papier aimanté. Hop. On a les aimants. Alors, qui ont de la mousse derrière. Hop. Donc, les quatre aimants. Et le tapis qui, lui, est en petite tôle. Voilà. Donc, voilà. Rien de transcendant, mais qui va nous servir. Alors, pour vous, alors on va faire un petit essai aujourd'hui. Alors, j'ai sorti un pochoir, c'est un vieux pochoir que je ne me suis jamais servi, de chez Action. Voilà, j'ai choisi celui-ci. C'était les pochoirs de... Voilà, celui-là. Vous voyez ? Il y avait ces 5-là dans l'eau, donc je les ai là, les autres. Ça, oh, ça date, ça, je ne sais même plus depuis quand je les ai. Et pour vous dire, je ne les ai jamais utilisés. Donc, c'est l'occasion. Je vais utiliser une carte Action. Alors, elle est irisée un peu, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est un vert bleu irisé, 15-15, et je vais utiliser, alors je voulais utiliser les tampons de chez Action que j'ai là. J'ai fait un petit essai avant, c'est merdouille, hein. Voilà. Alors, je vais utiliser des Distress Inks, donc des mini. Alors, j'ai choisi 4 couleurs, parce que j'ai envie de faire un petit dégradé. Voilà, un jaune orange, et viens par ici, toi, et 2 verts, ou alors je vais peut-être mettre un bleu à la place d'un des verts. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais voir, je vais peut-être prendre un tampon quand même. Je ne sais pas. Vous voyez ces petits tampons-là. Bon, ça, j'enlève parce que. Hop, il est usé. Celui-là, il est usé. Voilà, je vais prendre les petits tampons comme ça. Je verrai bien ce que ça donne, mais j'aime pas les utiliser sur l'action, ils me plaisent pas. Alors, moi je prenne les noirs. Bon, je vais prendre des noirs et des blancs. Je verrai les roses, c'est pas la peine. Je verrai ce qui me va le mieux. On verra bien. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Sinon, je me prépare du sopalin au cas où. Oh, ça fait noir par moment, mais bon, j'ai mes rideaux fermés pour le froid. Et là, j'ai rebaissé le chauffage encore une fois parce que hier j'ai regardé la facture du mois, enfin le, pas la facture, le ce qu'on a usé de gaz ce mois-ci. Mais en euros, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, je voulais utiliser ça. Oui, pourquoi pas, mais c'est pas du papier lisse. Mais bon, je voulais utiliser celui-là, le cardstock. Il est moins lisse. Donc, je pense que je vais utiliser celui-là. Mais en quelle couleur?
Je vais l'utiliser en beige. Voilà. Hop. Voilà, cette couleur-là. On va voir ce que ça donne. Hop, toi derrière. Toi derrière. Toi sur le côté pour l'instant. Je vais d'abord couper ça aux dimensions dont j'ai besoin. Donc, je vais mettre ma petite plaque sur le côté. Je vais ranger Fifi également parce que je vous montre. Hein. Voilà. Voilà où elle est. Elle prend un peu de place. Elle prend un petit peu de place. Ah, Fifi, maman a besoin de son bureau. Il y a les yeux qu'elle me fait. Ouh là là. Elle aurait des mitraillettes à la place. Tu veux bien changer de place? Elle s'en fout, mais alors un point complet. Bon, je vais vous changer. Je vais vous mettre face bureau. Ce sera mieux déjà. Et puis, je vais essayer de ranger Fifi dans un coin. Si elle veut bien. Allez, à tout de suite. Bon, on y va. Je suis essoufflée, j'ai dû redescendre. J'avais plus de batterie à mon téléphone. J'étais recherchée mon câble. Ah, je vous jure, c'est pas de jour. Alors, et voilà Fifi qui revient. Des chiens, mimère, des chiens. Des chiens. Allez, 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 allez. Voilà, va dans ma laine. Elle a décidé. Elle a décidé, elle a décidé. Et la revoilà. Non, Fifi. Non. Non, mais regardez où elle se couche. Mais regardez-moi où elle... Mais vas-y. Fais comme chez toi. Mets-toi à l'aise. Ça va? T'es à l'aise? Elle est à l'aise, mes mères? Elle est à l'aise, ma mémère? Oui? Comment je fais, moi, pour montrer aux copines comment on fait la carte? Hein? Comment je fais? Comment j'ai fait, grosse babache? Dis, grosse babache. Comment maman, elle fait pour montrer? Je fais la carte sur toi? Allez, mon bébé. Hop, 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 hop. Voilà. Je vous jure, Fifi. Voilà. Bon. J'ai... Alors, excusez-moi, je vous remets dans le champ. Ah non, Fifi, s'il te plaît. Voilà, merci. C'est gentil. Bon, j'espère que ça va aller. Parce que je vous dis, moi, j'ai jamais utilisé cet tamponnage-là. Donc, on va commencer par le plus foncé. Alors, est-ce que je fais du vert, du bleu, du vert, du bleu, du vert, du bleu? Bon, on va casser du bleu. J'espère qu'ils vont encore, mais les tampons. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air, hein. Je sais pas si ça a la chanson. J'aime pas, franchement, j'aime pas utiliser les pochoirs. Je sais pas pourquoi. Voilà le bleu. Changer. Attendez, je vais mettre un sopalin sur mon bureau parce que sinon, bon, je sais bien que mon bureau n'est pas nickel, nickel, mais. Si je pouvais éviter d'y mettre de l'encre. Hop, voilà. Non, Fifi. Ah, je crois qu'elle allait s'asseoir dans l'encre. Alors là. Maintenant, je vais mettre du vert. Ah, attendez, je ne l'ai pas mis droit. Alors, je vais faire une carte d'anniversaire hein, pour ça me sert tout, ça me servira. Je mettrai de côté.
Alors, je vais mélanger les couleurs. On ne rigole pas, ma façon de faire. Bon, en tout cas, ça n'a pas l'air de bouger, hein. Ça va, les aimants sont bien. Allez, on va mettre du orange. Ah, j'ai dû ressortir un blanc. Alors, est-ce que j'en ai encore? Non, j'ai plus de blanc. Bon, on va faire avec un noir, hein, on verra bien. On verra si on a le même effet. Je vois pas là si j'ai la si j'ai de l'encre ou pas sur mon tampon. Ah ben, le noir c'est mieux pour en faisant comme ça, vous voyez. Fin de compte, les noirs vont mieux. Allez comprendre. Bah, du coup, je vais repasser un petit peu les autres couleurs. Bon. Attendez, ça c'est jaune. Je vais le mettre dessus. Bah oui, le noir va mieux. Vous voyez? Ah, je vous jure. Pacha qui fait waf waf en bas. Il y a papa qui crie sur Pacha. Alors, bah du coup, je repasse toutes mes couleurs. Hein. Alors, le vert. Ah non, c'est Géry. Voilà. Ah, je vais reprendre un noir dans la boîte pour finir avec le bleu. Et du coup, j'avais plein de tampons comme ça. Et oui, j'en avais au moins 10-12, je crois. Si c'est, je sais plus. Et je les ai revendus. Mais du coup, j'aurais dû les garder. Mais pour utiliser que les noirs. Parce que j'avais utilisé les blancs au début et je trouvais ça ben, nul. Enfin, j'ai pas enlevé mon temps. Bon.
J'ai pas encore enlevé mon pochoir. Hein. Bon. Ta-da-da-da. Voilà ce que ça donne. Allez, on retire. Ah, bah oui, j'ai bavé du coup. Bon, c'est pas grave. Comme ça vient de bouger. Bon. Voilà. Bon, là, il y a juste un petit bavage maintenant, mais c'est pas très grave. Alors, on va laisser sécher un tout petit peu. Là, je vais essuyer tout de suite parce que je vois qu'il y a de l'encre sur le tampon, sur l'aimant. Je vais voir s'il n'y en a pas sur la plaque. Non, ça va. Donc, je vais laisser sécher un tout petit peu. Où est-ce que j'ai mis mon fer à repasser, j'allais dire. Mon gun, où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais plus. Ah, il est là. Ah, peut-être. Ouais. Alors, où? Bon, c'est rien, on va laisser sécher comme ça. Bon, le dégradé est pas mal, hein? Ça va. Donc, on va laisser sécher. Bon, là, on va dire qu'en marchant vite, ça se voit pas. Donc voilà. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, c'est bien. Hein, il faut que je me. J'ai les meilleures encres. Hein. Bon, ça n'a rien à voir avec la plaque. C'est mes encres qui sont mortes, on va dire. Moi, après, je peux décorer ma carte. Alors, comment rattraper un truc que l'on a raté? Ça va être le thème en même temps. Est-ce que ça... Ah oui, ça c'est adhésif. Voilà, ça c'est adhésif, donc c'est très bien. Mais bon, je suis obligée d'attendre que ça sèche. Je reviens tout de suite. Voilà, bon, normalement c'est sec. Voilà. Alors, on va recouper la carte. Donc, je vais mettre ça sur le côté pour l'instant. Hop. On va mettre ça. Alors, j'ai repris du papier comme ça. Vous allez voir pourquoi après. Donc là, on va recouper. Donc je vais déjà recouper ici. Pour bien remettre. Bon, là, on va recouper également. Déjà, alors maintenant il faut que l'on coupe pour que ça fasse. Alors là, celui-là, on va le faire en 14,5. Donc celui-là, ça m'énerve parce qu'elle coupe mal cette machine. Si je me mets là, je vois ce que ça fait. Non, 13,5. Alors, il faudrait que je recoupe ici un petit peu. Je fais pas de bêtises. Hop. Et maintenant, je me fais 13,5. Non, 13. Alors, bah, je suis à 13,5.
sans le faire exprès, je suis arrivée et là je suis à alors 13 et demi, c'est là. Voilà. Maintenant, dans ça, je vais couper donc ça viendra ici et on va couper un papier alors. Est-ce que je recoupe un papier dans celui-là? Est-ce que je prends une carte? Oui. Alors, ici, on va se resservir de sa plaque à aimant. Avec ça. Non, pas les gros aimants, qu'est-ce que je dis? Avec la règle. Pour mettre notre joyeux anniversaire. Pour qu'il soit bien droit. Donc avec les peel-off stickers. Hop, 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 viens là toi. Ne te sauve pas. Non, je vais descendre ma règle. J'ai dit qu'on la mettait droite. Alors même avec la règle, si j'arrive pas à la mettre droite, c'est grave là. Hein. Tremblote mes mères. Voilà. Et maintenant, nos anniversaires. Et c'est là que je vois que j'ai pas mis droit mon joyeux. Voilà.
Ça, c'est bien les pilaf, c'est que moi, si vous avez besoin de leur bouger, vous pouvez. Avant d'appuyer, hein, monsieur. Voilà. On va lui mettre une petite fleur. Bon, ça, on va le coller là-dessus. Alors, avec du 3D. Et on en remet derrière celui-là. Voilà. Bon, j'ai plus besoin de ça. Je n'ai plus besoin de ma plaque aimantée. Maintenant, on va mettre du 3D sur celle-ci. D'abord, vous voyez, ça fait des bordures toutes. Oh là là. J'avais pensé mettre un petit, mais non. Non. Non, je ferai des petites perles. Et on va mettre du 3D tout de suite derrière celle-ci. Alors, moi, je mets toujours en forme pupitre, comme ça. Comme ça, les gens, s'ils veulent se la garder sur un meuble, c'est mieux, je trouve. Pendant quelques jours. Voilà. Et maintenant, on va mettre celle-ci. Alors, on pouvait faire comme ça, comme ça. En fin de compte, attendez, je réfléchis. Je regarde ce que ça donne à l'écran. Comme ça, c'est bien.
Ouais, je préfère comme ça. Pourtant, c'est coupé droit. Je crois que je vais mettre un ruban. Et puis, je crois que c'est la machine qui coupe pas droit. Que la machine ne coupe pas droit. Et c'est pas la première fois que j'ai une tour. Hein. Là, pas la machine, enfin la machine, vous comprenez le coupe-papier. Ça, ça me fait un petit trompe-l'œil. Et ne cherchons pas à comprendre. Hein. Pourtant, moi, j'ai mis mon papier droit. Avant de... Oui. Ah, je vous jure. Bon, maintenant, les petits... Oh là, pardon, je vous ai fait bouger. Des petites perles. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme petites perles? Des blanches. Alors, on va mettre du doré. Et il me faudrait combien? 1, 2, 3. Ça va, j'en ai assez. Chut, 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 chut.
même une bleue ici. C'est bête, j'ai pas de verte. Je n'ai pas de verte. Et on va mettre des cœurs. Mais là, j'ai pas de grand. Non, j'ai pas de gros cœur. Je n'ai que des petits cœurs bleus. C'est dommage. Et pour mettre là, voilà, je vais mettre des petits. On va finir avec des petits bleus ici. Hop, viens là toi, te sauve pas. Je te collerai quand même. Je pense que ça doit aller, hein. Alors là, sinon, ce serait 1, 2, petit. Oui, je pense que ça suffit. Quand je dis ça suffit, moi je rajoute. Voilà. Elle voulait pas venir, la perle. Là, voilà. Là maintenant, ça suffit. Oui. Voilà. Je range mes perles parce que sinon je peux encore en rajouter. Et... trop, c'est trop. Donc voilà, hop, je vais mettre mes aimants là, sinon je vais chercher après. Et la règle, elle est là. Donc voilà. Bon, après mes péripéties pour faire ma carte, voilà. Elle est simple, bon, je la trouve mignonne quand même. J'aurais pu mieux faire, mais voilà. Bon, c'était surtout pour essayer la plaque, hein, pour vous montrer. Donc voilà, ma petite carte. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même, hein, malgré que là, je n'ai pas du tout excellé. La fille qui science des fleurs.
Non, là, je me lance pas du tout de fleurs, puisque... Bon. Mais voilà. Bon, je vous dirais, franchement, que là, dans la vidéo, avant, j'avais, comme je vous ai dit, j'avais fait un essai avec les tampons d'action. Donc, j'ai coupé cette partie, hein, et j'ai tout recommencé. Parce que, voilà, j'ai jeté à la poubelle. Il faut montrer ce que l'on a raté. Il ne faut pas avoir peur de montrer ce qu'on a raté. Voilà ce que ça faisait. C'était moche. Mais très moche. Voilà. J'avais coupé la vidéo. Et voilà. J'avais jeté la vidéo. Donc voilà. Là, c'est quand même un peu mieux. Pardon, il y avait un chien dans la gorge. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et nous on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et il y aura une prochaine vidéo pour cette petite engin. Voilà. Et je vous montrerai très rapidement comment s'en servir et puis ce que j'en pense surtout. Et nous, comme je viens de dire, on se retrouve très rapidement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vous mets des photos de la carte à la fin.